Bonjour à toutes et à tous, c'est Aquak. On s'était laissé dans le dernier épisode, donc l'épisode 18, avec évidemment toutes ces flammes et tout ce dernier temple donc du jeu, comme je l'avais dit dans le dernier épisode. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de commentaires, en tout cas par rapport à mes périodes de tournage. Donc soyez indulgents, ça va être un petit peu laborieux je pense, étant donné que tout simplement... Ça va être un niveau qui va être plus que compliqué. En tout cas, voilà, on a le niveau carotte, c'est le niveau touffle tout flamme, voilà. Donc, que voulez-vous Il va bien falloir commencer ce temple. Donc, on va regarder. Okay. L'élément de la chaleur est proche. Mais la montagne ne l'est. Mais la montagne, je ne l'ai jamais vue ainsi. Nous avons parcouru tout ce chemin, nous avons tant perdu, tu ne peux pas abandonner si près du but. Il faut continuer. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'on a encore à acquérir. Oui, donc il y a ça. On va faire un truc ultra stylé. Des trucs stylés qui me prennent beaucoup de vie d'un coup. What the fuck? D'accord. Donc ce sont des choses... La musique d'ailleurs est très belle, mais... Est-ce que ça veut dire que si je me mets là... D'accord. D'accord, en gros il va falloir sprinter et ne pas rester trop longtemps sur les plaques, tout simplement. Donc bah écoutez, je crois que nous allons nous suicider dès à présent, car je vous montre un petit peu les effets néfastes, et j'imagine que genre, venir à la vie, c'est totalement le décès. Ok. Donc là, il va pas falloir s'attarder trop sur... Ah d'accord, j'ai compris. En gros, je tâte le terrain pour l'instant. Je vais mourir, histoire de bien comprendre les mécaniques de tout ça. Ok, bon, si ça commence comme ça... Hop là... Ah d'accord! Ok, pourquoi pas. Ah, ça va être plutôt galère. Ah oui, non, là, ça va être complètement la galère. Hein. En fait, il va toujours falloir être en mouvement, ça va être assez... Bah c'est compliqué en fait. Ok. On avance tranquillement. Merde, alors ça va vraiment être ultra galère. Vous le sentez là? Alors excusez-moi pour le bruit que vous entendez. Je ne sais pas trop d'où ça vient mais... En tout cas voilà. On va récupérer un petit peu des fragments. Ah d'accord. Donc... Ah ok, c'est galère. La question est maintenant de savoir... Ah mais c'est galère. On va sauter dans le vide de la lave parce que tout simplement ça va être vraiment de la galère là, pour le coup. Ok. Si on passe par là, ça passe. Vous pensez... Non, ça ne passe pas du tout même. Comment vous voulez que je passe? Enfin, je veux dire... Ok, pourquoi pas, mais enfin... C'est quand même étrange. Alors, ah, il fallait venir au-dessus, je pense. Ah non, mais... J'essaie de... D'accord. Ah mais... C'est terrible! Que voulez-vous faire face à tout cela? À un moment donné, il va falloir... Ah d'accord, j'ai compris.
plus il balance des trucs. Je me demande si on va pouvoir... J'ai plus qu'un niveau de vie, donc là, je vous le dis, ça va être le décès. Je pense que ça va être l'épisode du décès, possiblement. Viens par ici, vise-moi par ici. D'accord, ok, ça ne vise même pas. Il va falloir vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Mais que faire, précisément? Telle est la question. Je regarde les pouvoirs qu'on a, on est d'accord, mais... on est d'accord, on a juste le saut avec élan, l'escalade, la plume de Kuro, écraser, frapper, double saut, flamatiser, saut du mur, voilà. Ça va être compliqué. Je pense qu'il y a un truc à faire par là, mais... Mais après, voilà, enfin, c'est de la lave, donc forcément, ça va être compliqué. On a peut-être un indice sur ce qu'on doit suivre. Après, ça va être compliqué d'aller tout simplement par ici. Là, c'est la galère, je vous le dis. À moins qu'il faille faire ça. Non, je suis pas suicidaire au point. Ah, j'avais pas vu ça. Ok, maintenant qu'on est là. Voilà. La question maintenant de savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que dès qu'on reste, genre... Parce que là, on est d'accord qu'on peut rien faire par ici. Et par ici, enfin... On revient au même point. À moins que... Par ici, il y a quelque chose de spécial, mais non. Au moins que par ici, j'ai loupé quelque chose, mais bon, voilà. On est d'accord. J'essaie de chercher, mais là, c'est plutôt chaud. Ah oui, et puis en plus, on va pouvoir aller sous la lave. Je ne comprends pas. Bon, suicide, hein, totalement. Mais... Oh, c'est chaud, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas d'issue, en fait. Par à part peut-être par ici, mais à mon avis il y a une énigme, un truc comme ça, mais peut-être faire ça, mais même ça, ça nous servira au même, quoi. Enfin, la question est toute posée. D'accord, donc j'ai sauvegardé sur un petit bout de parcelle et maintenant il va falloir essayer d'aller par ici. Oh, je crois savoir ce qu'il faut faire. Ah, mais ça va être compliqué. J'ai peut-être une idée. Enfin bon, si ça commence comme ça, autant ne pas le faire. À mon avis, il faut venir ici. Faut attendre. Faudrait attendre de limite quand on a eu un espèce de machin qui balance des boules de feu, mais... Ah, c'est compliqué. Je vous avoue, là, c'est terrible. Ah, bah voilà. Ah, ça y est, j'ai compris. Voilà, et ensuite, il nous balance encore un truc par-dessus. Ah mais là par contre, on se fait plus respecter. Ah putain. Ça y est, j'ai compris à peu près. Hop là. Voilà. Après maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Je pense qu'on va pouvoir sauter par ici. Merci de m'envoyer par là-haut. Là, je suis en train d'être dans le dessert le plus total. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué, mais... Là, j'y vais au mode YOLO. Je le dis totalement. À la plus YOLO, vous ne faites pas. D'accord, donc même là, je ne suis pas en sécurité. C'est bon à savoir. C'est peut-être là, la limite, et encore. Et encore. Donc là, ok. On peut pas aller par ici, tout simplement, parce que c'est la merde. Et je crois qu'en fait, on va juste devoir se diriger avec ces petites bestioles là qui sont là. Et ça, c'est terrible. Parce que... Bah, parce que ça va être compliqué. On arrive vraiment sur les derniers niveaux, hein, c'est terrible. Alors, j'essaie de me maintenir, mais bon, hein, voilà, on se fait bolosser, on se fait pas bolosser, hein. En tout cas, on prépare.
On se prépare à recevoir le monsieur qui est pas gentil, qui va me balancer des boules laser juste ici, quand il voudra bien me viser. Parfait, je voulais pas perdre de vie en fait, c'est surtout ça. Parfait. Ah merde. Donc c'est bien, déjà j'ai trouvé un point de sauvegarde non négligeable, hein. J'ai peut-être glitché un peu le jeu. On ne dira rien évidemment. La triche. Non, s'il te plaît. Ok, on revient par ici. Je pense qu'en fait on a été un chemin où on n'avait pas le droit de trop de venir au moment présent. Donc on va essayer d'aller par ici de nouveau. On peut pas aller par ici de toute façon, on a déjà regardé. Non mais... Merci. On va essayer d'aller par ici. Bon, ok, mais une fois qu'on arrive par ici, après on fait quoi? Parce que, ok, on peut aller par ici, mais... Mais non! J'étais presque! J'avais l'impression d'avoir fait le plus dur en fait, mais Ah, ça va être la galère la plus totale. Hein. Là, je vous dis, on regarde un petit peu, on tâte le terrain ensemble, mais Voilà, c'est un petit peu la merde. Je pense que je vais regarder des vidéos histoire de voir. Enfin, dites-le moi. Là, c'est de la masturbation infantile de faire tout ça, hein, totalement. Hein. Je ne comprends pas. Oui, ce mot était totalement légal. En tout cas, non, mais c'est terrible. Hein. Vraiment, je crois. Là... C'est terrible, tout simplement. On va essayer d'y retourner. À mon avis, par ici, tout simplement, déjà. Et on va essayer d'abord d'aller par là. Mais moi, je voulais aller par là, monsieur. Arrêtez de m'embêter. Ah, ça y est, tu m'analyses enfin, toi. Je me fais bolos, il n'y a pas de soucis entre nous maintenant, on se connaît bien. Le nom skill est toi. Est-ce que si je te défonce toi, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est l'épisode de la déchéance tout simplement. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est qu'on vient complètement hardcore. Est-ce que l'objectif c'est quoi? C'est objectif trouve le mont Oru et ravive-le. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut aller de plus en plus haut. Seulement, pour aller de plus en plus haut, déjà il faudrait que je sorte de ce passage complètement glitché. Donc il va falloir passer par là, on est d'accord. Vas-y, viens là, toi l'autre là. Ok. Ok. Pas de soucis. Amène-moi par chez toi, y a pas de soucis. Là, je me fais tous les poteaux du monde, là. On est même pas trop loin. Bizarrement, Mais non, mais... C'est terrible. C'est-à-dire que j'atterris juste à côté. Juste à côté, mon dieu, c'est terrible. C'est le pétage de câble, hein, littéral. Et je ne ferai aucun cut, hein. Ce sera un petit peu l'épisode de la déchéance, on peut le dire. Oui, totalement. Après ça, je vais essayer de voir pour évidemment me débloquer de cette situation complètement chaotique et qui ne mène simplement à rien, à part peut-être... Je n'ai pas regardé un certain endroit. On va aller regarder ça tout de suite. Parce qu'on a le temps, là. Du coup, on tâte le terrain aujourd'hui. On attend que l'espèce de machin vienne... Alors déjà, que regardez, je peux à peine marcher. Alors déjà, regardez. Hop, à peine je marche. Au moins ça montre qu'on doit vraiment tout le temps être en mouvement, c'est terrible. Ça devient une espèce de comment dire ça? Je sais pas, les petits Alato, tout vous, enfin ceux qui voient reconnaîtront, mais c'est un petit peu les vaisseaux qui sont tout le temps en action. Et... Ah, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh putain oui. Oh putain je m'aime. On a trouvé une voie. Ok. Ok, c'est bon. On trouve un truc là. Ah, oh, mais je me fais bolosser aussi.
Non, mais... Je crois qu'on avait trouvé un petit peu le moyen. On a trouvé clairement le moyen de trouver un moyen d'aller là-haut. Seulement, c'est compliqué. C'est complètement hardcore. Mais on a trouvé, donc on est content. Et on va essayer d'y aller. Je ne couperai rien. Et on va juste me regarder rager parce que, oh là là, c'est vraiment le temple de la rage, totalement. Allez, en vrai, je pète un câble, en vrai. Il faut le savoir. Il faut savoir que je pète un câble, littéralement. Regardez. À peine je reviens et regardez qui m'attend. Oh, il est si gentil. Il était si gentil. Tout simplement, mais... Ah, mais non, en plus, je me fail. Je suis une grosse crotte. Voilà, hein, c'est dit. C'est dit, je suis... Non, on va employer des termes un peu plus sympathiques. Un peu plus sympathique, tel que des goûts. Voilà, je suis un macaron. Hein. Ça va être beaucoup plus simple. Un macaron, c'est beaucoup plus gentil. C'est terrible. Je n'arrive même plus à jouer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? En tout cas, j'ai deviné la mécanique. Maintenant, il va falloir essayer de se faire le moins bolossé possible. Donc, on va essayer de monter tranquillement à l'aide. C'est ce qu'on appelle se faire pistonner dans le milieu, totalement. Voilà. On va par ici. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On va par ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas du coup. On revient par ici. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Parfait. Ensuite, on va par ici. Voilà. On est bien. On arrive à cet endroit-là. On va galérer, hein, je le sens. À un moment donné, ça va être la catastrophe. Mais bon, que voulez-vous? On va y aller méthodiquement. Bien sûr, ça, voilà ce qui se passe. Oh, mais c'est terrible. C'est dur. C'est dur tout ça. On n'a aucun endroit où sauvegarder. Regardez l'endroit mité où j'ai sauvegardé. C'est complètement terrible. C'est complètement fait exprès pour nous faire rager, mais je ne couperai rien. On va tous. On va parler un petit peu du jeu parce que c'est vrai que. On a accompli beaucoup de choses hein, dans ce... Je crois que c'était ce qu'il fallait faire de mieux. Je joue mal. On pourra parler de mon non-skill au niveau du jeu. Hein. Je voulais parler un petit peu de tout ce qu'on avait fait. Hein. C'est quand même un beau jeu, hein, il faut le dire. Un peu dur, quand même. Un peu compliqué. Un petit peu compliqué, en effet. Mais bon... Vous voyez quand même qu'il y a de l'amélioration quand même. Des trucs qu'on galérait à faire auparavant aujourd'hui sont beaucoup plus simples entre guillemets. C'est plutôt cool. Ori là-dessus a vraiment un bon game design comme je l'ai déjà dit plus tôt. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même un jeu assez nique ta maman. Oui, aussi ça passe, hein. Y a pas de soucis. Moi je cautionne évidemment toutes ces choses, évidemment. Seulement, sans faire exprès, j'ai littéralement tué une bête. Non, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que j'aille par ici, que je revienne redescendre tranquillement peu par ici, jusqu'à ce que je me prenne une boule pour faire bonjour, je repars en haut. Bonjour, je vous adore, bande de boules qui crachaient du feu, que je pense invincibles, mais qui au final sont super faciles à tuer, tellement faciles que du coup j'oublie de conserver certaines d'entre vous. Bon, là elle a rap-up, donc on a eu de la chance. C'est totalement, totalement gratuit, et je l'ai encore tué. Non, même pas, ah non. Bah, je veux bien que tu m'emmènes en fait, jusque là-bas. Non mais, pas 10 ans à me repérer, parce qu'en fait ça va être compliqué sinon pour moi. Je sais pas si tu es au courant, mais ça va être compliqué vraiment pour moi. On est revenu là maintenant. Alors là, je vais à la One Again. Hein. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer la traduction de à la One Again, je suis preneur. Je fais gaffe. Hein. Oui, je vous aime. Faisons des enfants. J'ai réussi. Mon Dieu, je n'y croyais tellement pas. Mais je n'y croyais tellement pas. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Je n'y croyais clairement pas. Et j'ai, semble-t-il,
En tout cas pour l'instant, réussi. On va retourner voir, mais en tout cas, vous voyez la petite lueur bleue là qu'on a. Je me fais victime bolos, mais je m'en fous parce que. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'a fait Okwak? Eh oui, il a réussi. Tiens, bah allons ici, hein, au point où on en est. Hein. Ah, d'accord. je crois qu'en fait, nous avons de loin pas terminé du tout. Mais ce n'est pas grave, regardez, je récupère de la vie. On va aller ici. Ça va être assez long. Ça va être plutôt compliqué. Mais on va essayer de le faire. On va essayer de vaincre tout cela. C'est là, ça me fait peur d'ici. Je ne sais pas comment ça va donner. Je vous propose d'aller directement ici. Ça a l'air d'être plutôt safe. À quoi sert tout cela? Je ne sais pas. Est-ce que, genre... Non mais, j'essaye de trouver une utilité à tout ça. Ou alors peut-être va-t-il falloir... Ah, qu'est-ce qu'il va falloir faire de tout ça? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Je cherche un moyen. Je ne comprends pas. À part s'il va falloir faire genre le god tier et genre venir... D'accord, donc il fallait venir ici faire le god tier, il n'y a pas de souci. Moi aussi je vous aime. Je vous aime beaucoup. Oui, oui, je vous déteste aussi. On peut en parler. C'est terrible. Est-ce que genre... Entre le moment... Ah, on peut... Ah si, on peut bouger. Ouais, mais... En fait, il faudrait qu'on soit sur la plateforme tout en actionnant le truc. Mais c'est quand même étrange. Vous n'êtes pas d'accord? Comme s'il fallait... Parce que là, concrètement, qu'on se le dise, c'est pas possible. À part peut-être comme ça. Voilà. Je vous aime, les créateurs de Rift. Les créateurs de Moon Studio, je sais plus quoi là. Je vous aime. Je vous ai aimé en tout cas. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Mais c'est une sacrée énigme que vous me proposez là. Donc j'ai réussi à faire ça. Ah non, en fait non, j'ai pas compris. Je crois que j'ai bloqué juste tout simplement le gamme, comme disent les Jones. Je ne sais pas que... Je ne sais que faire. Ah oui, c'est vrai qu'on a le triple saut maintenant. Ah oui. Parce que maintenant, on peut faire... On peut faire ça. Seulement... Voilà. Je crois que... Vous savez où je veux en venir. Tout simplement, je crois que nous sommes revenus au point de départ et qu'on va devoir retourner. Je viens à peine de m'en rendre compte, mais c'est le cas. Donc, bah écoutez. On va retourner. On va retourner. Faire ça, tout simplement. Ah, mais j'ai compris, j'avais pas vu le levier sur l'autre plateforme, je suis vraiment très bête. Hein. J'ai envie de mettre... On peut faire 10 000 liens d'âme, donc écoutez, profitons-en. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire un truc du genre... Ouais, mais après, oui, voilà, hein, c'est le décès après qui nous attend. À part si peut-être on peut... Je ne vois pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est... Pourquoi ça? Voilà, mais je ne comprends pas. Comment on va faire concrètement pour amener ces plateformes? Si vous avez dans les commentaires des fois, si je reste bloqué là-dessus 10 000 ans, pas hésiter à me donner des cours de logique. En tout cas, oui, je crois que la leçon ici, ça va être... Oh, ça va être chiant. Parce que, concrètement, qu'on se le dise, il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Parce que même quand on fait ça, c'est impossible d'arriver jusque là. Comment ça serait possible? Parce que, dans l'autre sens... Ah, ça m'énerve, je ne comprends pas. Je ne comprends clairement pas parce que...
faudrait essayer de revenir à l'endroit où on était. Mais c'est pas possible, parce que qu'on se le dise, ici il y a quelque chose qui nous en empêche. Concrètement, c'est ça. Et on est d'accord qu'ici il y a genre absolument rien à part, il y a rien en fait, tout simplement. Y a absolument rien à faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je cherche, hein, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Ouais, voilà. Allez faire des choses pas très catholiques avec votre maman, mais. Je parle du jeu, hein, vous inquiétez pas. Je n'ai rien contre les mamans, mais. Malgré tout, là, c'est quand même assez compliqué. Je crois que tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que là, je n'arrive. Je suis très mauvais pour ce genre d'énigme. Il faut le savoir. Et je vois qu'il y a un délire avec les sphères à tout simplement débloquer. Mais. Alors attendez, est-ce que je regarde juste une dernière chose et puis après. Ça ne fait rien, on est d'accord. J'essaie de comprendre. On peut aller là-bas pour actionner un levier pour ensuite. Ça, on est d'accord, c'est pour remonter. C'est pour remonter seulement la plateforme tout là-bas. Seulement le problème. Parce que pourquoi il y a un levier? Ça veut dire qu'il va falloir actionner un levier une fois qu'on saura. Qu'on saura ce levier, tout simplement, il y aura des choses activées. Oh, ça m'énerve, je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, ça m'énerve. Ça m'énerve fortement. Ça m'énerve fortement. Je ne comprends rien, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un moyen, tout simplement, de faire quelque chose. Mais là, je vous avoue que... Oh là là, je crois que j'ai compris. Oh, je crois que j'ai compris. Espèce de petit piquet de feu, là. Il y a un espèce de petit piquet de feu ici, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Alors, ça se trouve, c'est complètement erroné, ce que je propose, mais... On va aller voir ça. Non. À mon avis, c'est complètement mort. C'est assez dur, hein. on arrive dans du... Dans du... Non. Qu'il arrive. Il y a peut-être un truc à faire. En fait, je crois tout simplement qu'il va falloir qu'on aille par là pour peut-être vider la lave par la suite. Bon, en tout cas, oui, je veux que tu m'emmènes de l'autre côté, s'il te plaît, merci. C'est mon moyen de locomotion, hein, y a pas de souci, je le vis bien. Non, toi, je t'aime pas. On va revenir là, tout simplement. Voilà, bonjour, on va aller plutôt dans l'autre épreuve. Ah bah voilà! Oh, non. C'est pas possible. Non, Kumo, tu n'es pas mort. Non, non, enfuis-toi. Oh, c'est terrible. C'est totalement terrible. Nalu n'avait qu'un souhait, celui de retrouver son enfant. De revoir son enfant. D'accord. Après ce moment émotion totalement, totalement émouvant, hein, on peut le dire, moi, je suis un grand émotif, hein. Je pense que vous êtes habitué. Oula, je pense que vous y êtes habitué depuis le temps. Non mais c'est bon, hein, je... Donc là, il va falloir que l'on aille, d'accord. D'accord.
Ça a le mérite d'être clair. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ça a le mérite d'être très clair. Oh. Putain, j'ai... Alors, j'ai fait un truc, là. J'ai pas trop compris. Alors, déjà que ce genre de choses me saoule de faire toujours un petit trajet, donc on va se mettre là. Voilà, et on est parti. Donc là, déjà, on a des challenges un peu plus possibles. On va y arriver. On va y arriver, je vais comprendre. Ok. Ok. J'imagine qu'il va falloir venir par... Ok, ok. C'est ça. D'accord, il va falloir aller en haut. C'est la merde. Ok. Ori, ces rochers semblent instables. Grâce à ma lumière, nous pourrons peut-être nous en servir pour empêcher la lave de se répandre. Comme quoi, je pensais ne rien faire dans cet épisode, tout simplement, car je trouvais le conflit un peu trop compliqué. Mais malgré tout, malgré tout mon désespoir, j'ai... Nous plutôt, c'est une aventure que nous vivons ensemble, nous avons réussi à trouver l'énigme de ce donjon-là, que beaucoup m'ont dit que c'était impossible, alors que nous avons une nouvelle cellule d'énergie, qui était caché tranquillement ici. Ce jeu est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Je vous le dis présentement, c'est quelque chose que j'apprécie faire avec vous. C'est un épisode vraiment que avec lequel je prends vraiment du plaisir à tourner avec vous. Malgré qu'on ait des fails comme ici par exemple ou quoi que ce soit, vraiment c'est un épisode vraiment qui me fait un petit peu repenser à tout ce qu'on a fait. J'en parlais justement tout à l'heure. Donc là, j'imagine que ça va être l'effet inverse. Non, bon bah c'est pas grave. On va prendre le temps de toute façon maintenant. Je pense qu'on va se rendre tranquillement du coup dans l'endroit où on était bloqué tout à l'heure. Et on s'arrêtera là, mais vraiment, en tout cas, il faut savoir que cet épisode aurait été un plaisir à tourner. Je suis parti très mauvais perdant en me disant, ça ne va servir littéralement à rien, parce que le truc est ultra compliqué, et que moi j'y vais en mode découverte littérale depuis le début, et c'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, j'ai quand même encore, aujourd'hui, beaucoup appris. Malgré que je me fasse victimiser. Parce que voilà, on n'a pas un style de jeu parfait, mais malgré tout, c'est quand même sympa de voir que il y a quand même du progrès entre le premier épisode, qui était, ma foi, un petit peu innocent. J'avais déjà commencé à jouer au jeu, je pensais connaître bien le jeu et tout, en y jouant un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a transformé, dans le sens où... ce jeu est pas simple. Et en fait, dans les jeux vidéo, il faut savoir que je ne joue quasiment plus aux jeux vidéo aujourd'hui en dehors des tournages. C'est le genre de jeu qui paraît compliqué, comme beaucoup d'autres. Et je me suis arrêté sur ces beaucoup d'autres, parmi tous ces jeux. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu pris conscience que vraiment, il faut continuer à aimer jouer. On est là pour se détendre, pour apprendre des choses. C'est là le but premier du jeu vidéo, et c'est un petit peu un fait que j'avais un peu oublié par le passé. Le retrouver aujourd'hui, c'est vraiment beau pour moi. Enfin, pour moi personnellement. C'est vraiment ça. Ça m'apprend beaucoup. Oh, on était bien avec la petite musique.
Mais ouais, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé tourner cet épisode et il n'est pas fini d'ailleurs. Nous allons tout de suite nous. Je crois que j'ai. Je crois que. Par contre, c'est compliqué. Parce que tout simplement, je crois que vous savez ce qu'on va devoir aller refaire. C'est chercher le lien d'âme. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave dans le sens où. Dans le sens où je vais me suicider très prochainement. Oui, on peut le dire. Et j'ai un gros lag, what the fuck. J'ai eu des lags, on est d'accord. Ou alors c'était fait exprès par le jeu, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, là, c'est les points de vie, c'est tout. Mais what D'accord, ça doit pas être de la faute de ma carte graphique. Va manger des lamas. Va manger des macarons, plutôt. Va manger des macarons, des carottes, ou quoi que ce soit, ou... C'est fort triste, tout ça. Allez, on va sérieusement aller par là. Oh, j'ai même pas besoin de... Je pense que là, ça devrait être plus tranquille. Non, toujours pas. Toujours impossible à faire. Toujours impossible à faire. Je m'obstine... inconsciemment, ou c'est moi? On dirait que oui, je m'obstine inconsciemment. Et une fois qu'on va faire ça là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, ok, on a activé un morceau du scénario, mais on ne connaît toujours pas l'issue de tout cela. Un endroit. Je crois que j'ai un concept. J'ai un truc. Bon, alors ça, voilà. C'est vraiment si c'est le truc. C'est le truc qu'il fallait faire. Alors j'y vais en mode de la one again, hein. Encore une fois. Oula. Je sais pas si vous avez vu les plateformes, pardon. Ah, j'ai tenté, on est d'accord. Vous avez vu un petit peu. On va tenter plusieurs fois. Si ça ne marche pas, tant mieux pis. Non, j'étais presque. Je crois que j'avais réussi. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Non, j'ai pas... ce n'était pas ça non plus. C'est pas grave, on va y arriver peut-être. J'ai espoir. Ah, mais je crois qu'on peut y arriver. Je vais y arriver. Il faut me laisser le temps. Non, j'étais presque. Je crois que finalement, je peux pas lutter. Ou quoi que si. Il faut lutter. Si on y arrive... Ah non, non, ça va vraiment pas être très possible. On réessaye 2-3 fois, mais à mon avis... À chaque fois j'ai 3 sauts, donc on peut essayer encore. Ah, à chaque fois c'est à la frame près. Je suis sûr qu'il y aurait moyen de glitcher, mais bon... Ah, c'est terrible. On ne peut pas. On ne peut pas, tout simplement. Ah, ça se joue à la frame près. Mais non, malheureusement, ça ne se fera pas. Pour aujourd'hui, en tout cas. Je sais pas pourquoi je vais par là. Bon, en tout cas, malgré tout. On va retourner par là tranquillement. On ne pourra pas aller par là. À moins qu'il y ait quelque chose de caché tout en haut, et ça m'étonnerait. Je crois que le rayon laser, attendez. Le rayon laser, ok. Il tient son chemin de tout ça. Je suis sûr, il y a moyen de faire quelque chose. Je réessaye quand même. Mais en tout cas, c'était un bel épisode. J'ai apprécié le tourner celui-là, hein, vraiment. Je vous le dis de vous à moi. On dirait qu'ils ont une forme d'espèce d'humanoïde. Ouais, mais bon, vous savez ce qu'on dit. On va revenir voir s'il y a peut-être un truc qui a changé. Je crois qu'en fait, on pourra jamais atteindre cette pièce ou réussir à faire quoi que ce soit. Je me bloque sur cette pièce alors que finalement, le problème est sans doute ailleurs. Enfin, je pense. Sinon, on va voir là-haut.
Ah. Ah merde. Bon bah il est mort. Mais va voilà, va jouer au piñata. Bon, à mon avis, on va juste pouvoir redescendre tout tranquillement. Quand j'aurai décidé du sort, un petit peu de tout ça. Mais ouais, c'était un épisode un peu ennuyant, mais qui avait quand même son lot d'intérêt, je pense, pour figurer comme 19e épisode de Ori. Mais un petit peu plus long, je pense. Enfin, bon, moi, je prends de nouveau du plaisir, là. J'étais un peu déprimé en commençant cet épisode. Oh, vous inquiétez pas là, je baise le jeu. Oh, je baise le jeu. En fait, non, c'est lui qui me baise. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc là. Je vais déjà les sauvegarder tranquillement parce que à vouloir faire le show comme ça, le Aquac, qu'est-ce qu'il fait? Il perd. Quand tu perds, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est pas cool. Voilà, regardez, ça c'est les ravages de la dissidence. Et je crois que nous avons trouvé. Entre dissidence et cadence. Non, je ne sais pas. Je trouve un mot qui rime en danse. En tout cas, je crois que nous allons tout simplement nous arrêter ici. On va s'arrêter ici. Voilà. Ici, c'est très bien. C'était le 19e épisode de Ori, qui ne fut pas sans émotion. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le tourner avec vous. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve pour le 20e, le numéro 20, le 20e épisode de Ori and the Blind Forest. Définitive édition, donc je ne sais pas s'il y aura des choses après avoir battu le boss final, mais là on s'approche sérieusement de la fin. On a beaucoup exploré aujourd'hui encore, même si on aurait pu le faire plus, mais... Écoutez, je vais me renseigner si on peut faire quelque chose sur tout ce qu'il y a dans cette zone-là. Ou si on doit descendre ou aller par ici, je ne sais pas. En tout cas, c'était un plaisir. C'était Aquac. Sayonara.